Bienvenue dans le logiciel Sophia. Vous avez déjà, par exemple, calculé la moyenne. Vous avez certainement déjà fait la délibération. Et vous êtes peut-être même allé faire l'impression maintenant du bulletin. Et vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, il y a certaines erreurs sur le coefficient. Vous voulez annuler et revenir modifier le coefficient et essayer d'actualiser pour que le logiciel prenne en compte de la nouvelle modification. Ici, ce que nous allons vous expliquer, c'est très simple. C'est aller simplement déjà faire votre modification du coefficient. Une fois cela est fait, vous revenez maintenant, annulez simplement la moyenne. Et vous recalculez la moyenne. Donc, ce que vous avez simplement à faire, c'est d'annuler la moyenne et probablement aller aussi annuler la délibération pour pouvoir recalculer, en recalculant que le logiciel puisse prendre en compte de les coefficients de la modification, bien sûr, que vous avez apportée au niveau des coefficients. Alors, comment est-ce que ça se fait? Il suffit simplement que vous partez à saisie note, moyenne note, nouveau, classe, le trimestre, bon, disons le régime. La matière, on actualise. Donc vous voyez que là, ça a été déjà calculé. Alors, on fait annuler. OK. Donc cette note-là, si on réactualise, on voit qu'elle n'est plus calculée. La moyenne n'est pas calculée. Donc, bien que on a déjà annuler la moyenne, il va falloir aussi repartir, annuler la délibération. C'est au niveau même de la délibération que le logiciel commence à tenir compte maintenant des coefficients. Alors, une fois dans délibération, je prends nouveau, régime, je choisis la classe, je prends le régime, j'actualise. Alors, vous voyez que ça, bon, nous n'avons pas toutes les matières ici. Si toutes les matières étaient là, ça pouvait continuer jusqu'au fond. Alors, donc, tout a été déjà calculé. Comme ça a été déjà calculé, il faut annuler cela. Et vous voyez, les coefficients sont là. Et peut-être à votre niveau, ça doit être peut-être l'ancien coefficient d'abord qui est là. Parce que ça a été calculé tenant compte maintenant des anciens. Alors, on va annuler ici. Annulation effectuée. Il dit OK. Donc, ça a été annulé. Pour vérifier, si vous prenez nouveau régime, vous actualisez, vous allez voir que ça a été annulé. Donc, actuellement, comme vous avez eu à modifier votre coefficient, en refaisant maintenant la délibération, c'est-à-dire en recalculant la moyenne et en refaisant maintenant la délibération, il va pouvoir prendre en compte le nouveau coefficient. Donc, pour dire que si je prends saisie, moyenne, je fais nouveau, classe. Donc, votre cas, vous allez avoir ça comme on venait d'annuler la moyenne. Donc, vous allez voir ici, c'est vide. Vous faites valider, ça va calculer, vous faites enregistrer. Donc, vous refaites comme ça pour toutes les matières. Et vous revenez maintenant au niveau de la délibération. Vous faites nouveau, régime. Vous choisissez le trimestre et vous validez pour qu'il calcule en tenant compte des nouvelles modifications maintenant au niveau du coefficient. Donc, validez. Calcul en tenant compte
et je fais enregistrer. Voilà, modification effectuée. Donc, ça va tenir compte maintenant de la nouvelle modification. Merci.